Bonjour, petite vidéo rapide pour vous montrer des exercices de façon à vous rendre autonome sur les problèmes de cervicale. Alors là, je parle par contre en articulaire doux. C'est issu de la pratique de Dieter Dorn qui fait en sorte que chaque personne soit autonome sur tous les soucis articulaires. Il a un site, Dieter Dorn, et en général, le site il se présente de façon à ce que vous avez un squelette et puis vous cliquez sur la zone endolorie. Ou les cervicales, le bassin pour beaucoup de personnes, le dos, les épaules, peu importe. Vous cliquez et il vous montre en vidéo et en photo les mouvements à faire. Là, ce matin, je vais essayer de rester dans mes marques. Je vais vous montrer un exercice pour les cervicales, un exercice qui est tout simple. Tout ce qu'on demande, en fait, on se sert du mouvement de la personne pour pouvoir remettre en place une articulation qui pourrait avoir un peu bougé. Ça aide énormément au niveau des douleurs. Donc, hop, hop, j'espère que ça va marcher. On se met au niveau de la colonne vertébrale. On la bloque, en fait, on fait comme deux barres. Et après, il suffit de faire des mouvements de la tête, des oui et des non. Vos cervicales vont venir taper contre les doigts. On fait une dizaine de mouvements, pas besoin de plus. On peut faire un peu plus haut. Vraiment, votre main ne sert que de barre. On bloque. Et ça, tout simplement, ça aide à rééquilibrer les articulations des cervicales. Vraiment, c'est vraiment un petit mouvement tout bête, mais ouais, ça soulage énormément. C'est à faire une fois par jour. C'est vraiment ça, vous avez vu, ça prend rien comme temps. Je vous le conseille, il est tout simple, profitez-en et bonne journée.